Salut les gens, c'est BM25 et aujourd'hui me revoilons de votre compagnie pour une nouvelle vidéo sur Minecraft qui est d'ailleurs l'épisode 1 de la nouvelle série que j'ai tout simplement décidé d'appeler Construction Minecraft. Et donc cette série consiste à créer des constructions, donc des constructions que je créerai hors caméra. Et après, je vous les montrerai, je vais vous la faire visiter en vidéo, etc. Donc avant de commencer la visite là, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Donc le premier truc c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai installé un pack de texture, excusez-moi. Il s'appelle Hardvar, un truc comme ça. Pas comme l'école en Angleterre, hein, il s'appelle, je sais plus exactement. Enfin, bon, c'est un espèce de style viking nordique, et puis moi, j'aime bien, moi. Voilà. Donc si vous voulez, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, je vous filerai le lien pour le télécharger. Voilà. Donc voilà, moi, ce pack de textures, je le trouve bien sympa. Moi, j'aime bien. Et puis j'ai aussi installé un skin pour changer un peu. Casse-toi le mouton là. Attendez, 2 secondes. Il me fait chier ce mouton. T'es où? Bon, ça y est, c'est cassé. Donc, comme je disais, j'ai installé un nouveau skin pour changer un peu du skin de Mexicain de base. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, là, voilà le derrière. Puis voilà devant. Donc, voilà. Ce skin. Attendez. Alors. Voilà. Parce que je buguais un peu là. Ça se voyait pas sur l'écran, mais je veux bugger un peu, donc voilà. Donc ce skin il représente le personnage de Tyler Durden provenant du film Fight Club, pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai choisi ce skin parce que Fight Club, ça fait partie de mes films préférés. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je vous le conseille vraiment, ce film, pour ceux qui l'ont jamais vu. C'est vraiment un bon film. Il y a mes chats qui sont en train de faire n'importe quoi pour ça. C'est pas grave. Alors voilà. Puis ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que avant de faire la visite de la maison, juste avant que de faire la visite de la maison, je vais une petite précision. Là, je vais faire la visite de la maison, l'extérieur, tout ça. Et après, je vais changer de pack de texte. Excusez-moi, je rentre de l'école là. Je suis un peu fatigué. Donc je changerai de pack de texture et je reprendrai le pack de texture de base de Minecraft pour que vous voyez à quoi ressemble la maison avec le pack de texture de base. Voilà. Donc bon, allez, c'est parti. On commence. Pour l'instant, on va faire le début là. On va visiter la maison, l'intérieur, tout ça. Puis après, on fera un tour de l'extérieur. Puis je vous ferai la visite. Je referai un peu la visite rapidement avec le pack de texture de base. Donc c'est parti. Voilà. Pour l'entrée, j'ai mis 2 arbres comme ça qui sont complètement identiques. Voilà. J'ai essayé de mettre un peu de fleurs, tout ça, que ça fasse bien. Autant que j'en mette plus là. Merde. Voilà, c'est beau avec là. C'est beau avec de l'herbe. Ça rend plus beau, je trouve. Bon, allez, c'est parti, on entre. Donc là, j'ai mis de la glowstone pour éclairer un peu. Parti, on entre. Là, il y a 2 tables de craft. Là, ça rend un peu moche avec ce pack de texture, mais parce que quand j'ai commencé cette maison, j'avais pas ce pack de texture que j'ai maintenant, et donc je pense que vous savez qu'avec les comment les tables de craft avec le pack de texture de base, ça rend vachement bien les trucs comme ça. Faut une porte, des trucs comme ça fait un peu tapis. Voilà, c'est parti. Donc ce que j'aime aussi dans ce pack de texture, c'est les cadres, enfin les peintures. Donc vous verrez bien un peu comment ils sont. C'est parti, on entre. Hop, alors là j'ai fait un dallage de laine noire et de bois. Donc là je fais un petit feu. Hop, donc vous verrez l'extérieur après, hein. Là pour le plafond j'ai fait pareil en haut, c'est tout simplement du quadrillage avec des planches et puis de la bûche. Là j'ai fait un petit établi là. Là j'ai mis ça rend pas mal. Ça en fait ce que vous voyez là, c'est
C'est une peinture en fait. Voilà. Là, c'est dommage que les piliers s'accrochent pas au coffre. Voilà, donc là j'ai mis coffre. Là, coffre. Non, je dis n'importe quoi. C'est là, deux tables de craft, deux fours, et puis là un coffre. Donc là, il y a des petites peintures. Là, un banc comme ça, tranquille. Là, c'est des. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un espèce de masque africain là. Là, une petite pendule qui est une peinture hein. Donc là ça aussi c'est une peinture, ça fait comme des tiroirs et puis des petits trucs, donc c'est bien sympa aussi. J'ai mis des étagères ce côté là, pareil, là ça fait un tableau, donc c'est toujours des peintures, des trucs comme ça. Voilà, là j'ai mis beaucoup de fenêtres quand même pour faire bien ça, parce que ça rend bien les fenêtres déjà. Là, je me suis un peu loupé, c'est un peu moche tout ça. Donc, tout simplement, c'est des notebooks. Continue. Donc là, j'ai mis des. Ici, c'est des. des lecteurs de disques. Je vais en mettre un que j'aime bien, tu sais. Attendez. Je trouve lequel c'est. Je crois que c'est celui-là que j'aime bien. Ouais, j'aime bien celui-là. Donc j'ai mis des disques de chaque côté. Non, non, excusez-moi. Donc là, j'ai mis deux tableaux de masques africains de chaque côté. Donc c'est pas mal. Donc là, je peux un peu. Là, on a un petit balcon avec une petite vue. Bon, là, je suis en short pour les besoins de la vidéo. Enfin, en short. Pas en habit, mais en. Au niveau du rendu de la distance, je suis en short parce que sinon j'lag trop. Voilà, parce que j'ai un PC de merde. Un petit tableau d'un creeper. Les creepers sont un peu comme ça dans avec mon pack de texture. Là, j'ai mis une petite horloge encore. Hop là, on va entrer dans la chambre. Donc, dans la chambre, ce que j'ai fait, j'ai mis du quadrillage avec de la laine verte et noire. Verte et noire, excusez-moi. Alors là, ça aussi c'est un tableau, hein. Tous les trucs qu'on trouve pas en normal, c'est tout des peintures. Donc là, j'aime bien parce que ça fait plein de. Comment? Je perds mes mots. Une bibliothèque, voilà, avec des tiroirs et tout, j'aime bien. Là, pareil qu'en bas. Là, hop. Là, j'ai un petit drapeau de rien. Ah, il y en a le logo de Mojang. Pour ceux qui savent pas Mojang, c'est ceux qui font Minecraft, hein, ceux créateurs de Minecraft. Et donc là, bah, j'ai tout simplement fait une petite. J'ai fait une petite échelle pour aller au grenier, qui lui sert à rien. Peut-être que j'en ferai quelque chose plus tard. On verra. J'arrive pas à redescendre. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au dehors. Parti, je redescends. Tiens, j'entends un Enderman. Pas ça, je remets de la musique parce que c'est bien sympa les musiques de Minecraft. C'est parti, je vais montrer un peu l'extérieur. Donc là, vous avez déjà vu. Donc là, j'ai mis un peu des piliers de glowstone comme ça, hein, un petit peu partout pour bien éclairer. Ça fait sympa. Là, j'ai fait des lucarnes. Enfin, je sais pas si on appelle ça des lucarnes, mais c'est un truc que j'ai appris grâce à la série de des cubes. Des cubes de Bob Luno de The Fantasy No 7-4 que vous connaissez obligatoirement, j'en suis sûr. Voilà, j'ai appris ça grâce à leur série. Puis je dois dire que j'adore, donc c'est pour ça que j'en ai mis. Bon, c'est un peu loupé. Là, j'ai essayé de faire tout bien des. Comment? J'ai fait tout bien symétrique les fenêtres, que ce soit un maximum beau. Ah, là, vous voyez, regardez, là on voit la tapisserie Mojang. Puis là, on la voit pas. Donc je trouve que c'est bien justement comme ça, bah ça fait plus beau de l'extérieur. Voilà, là c'est tout simple hein. Là c'est la cheminée, hop, assez grosse quand même, je sais pas si ça rend très beau, ça va encore, j'aurais peut-être dû la faire plus petite. Voilà, tout simplement. Là il y a des trous parce qu'il y a des creepers qui m'ont explosé la gueule. Puis voilà. Oh les gens, donc voilà, nous voilà pour la partie.
partie 2 donc de cette vidéo, c'est que donc je vais vous montrer un peu la maison mais en sans mon pack de texture. Donc moi ça me fait un peu bizarre là. C'est parti, on va faire comme avant, comme au début. Oh, ça fait bizarre parce que moi j'étais comment? C'est pas du tout pareil avec mon l'autre pack de l'autre pack l'autre pack de texture. Donc là je découvre un peu en même temps que vous. Ok. Ça a l'air pas mal pour l'instant. La musique. Faire la chambre un peu. Oh yeah. Ah j'adore tous ces tableaux en plus. Franchement ces trois tableaux, ça fait partie de mes. C'est vraiment mes trois tableaux préférés. Je suis hyper stylé avec la tête de mort en flamme. J'aime trop ça. Après, la même avec le cochon là. Puis les espèces de karatéka avec la main. Ça me fait bien marrer. Ok, puis là j'ai fait comme ça, ok. Un petit peu monter juste pour voir. Ouais, ok. Tout cas, ça change bien. Hein. Avec l'autre pack de. Avec l'autre pack de texture, ça. C'est pas du tout pareil. C'est plus sombre avec, avec l'autre pack. C'est parti, on va aller voir un peu en extérieur. J'ai du mal à parler aujourd'hui, moi. Ok. Ah ouais, donc du coup, sans le pack de texture que j'ai, regardez, là, c'est caché la vue. Parce que souvenez-vous, juste avant, là, on voyait pas, c'était invisible le dos. Ben là, on voit. Ok. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Bon, ça va. Moi, je préfère quand même avec mon autre petit, avec l'autre pack de texte. Oh, mais qu'est-ce que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Moi, je suis à la ramasse. Hein. Je préfère quand même avec l'autre pack de texture, quand même. Ouais. Je préfère. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi si ça vous plaît cette série. Et puis voilà, de toute façon je referai des autres épisodes, je vais changer de un peu de je vais diversifier au maximum les créations. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de commenter, d'aimer, de commenter, de vous abonner, c'est pas déjà fait, et à plus.